Hey YouTube, WhatsApp, tu as reconnu la voix, c'est votre humble serviteur, le coiffeur bantou que je suis, pour vous servir. Alors aujourd'hui, on va vous montrer comment refaire vos racines dreadlocks, comment resserrer vos locks. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et surtout d'activer votre cloche de notification pour ne pas rater l'une de nos prochaines vidéos. Puisque ce qui arrive, vous n'allez pas supporter, les gars. Restez, abonnez-vous massivement parce que les trucs de dingue arrivent. Alors, pour commencer notre serrage de nos racines dreadlocks, on va d'abord prendre notre crème qu'on va mettre tout autour de notre dreadlocks. Et avec à l'aide du peigne, on va attraper bien toutes les racines et on va prendre notre crochet à tirer pour essayer de resserrer notre racine, comme vous pouvez le constater. Et on va prendre notre deuxième crochet pour venir crocheter la racine qui avait déjà poussé, comme vous pouvez le voir. Toujours maîtriser le geste pour mieux tisser. En même temps que vous crochetez, il faut tourner, comme vous pouvez le voir. Tournez en même temps que vous crochetez, vous allez donner un bon résultat à votre resserrage. Et toujours bien tracé pour que le resserrage soit bien joli à voir, comme vous pouvez le voir. Et le processus, et on va venir resserrer pour que ça soit durable, ça ne puisse pas vite se détacher. On serre bien avec notre crochet à tirer, comme vous pouvez le voir. On serre, oui, que ça soit durable et joli à voir. Et c'est le même processus qu'on va appliquer pour tous les autres, c'est-à-dire mettez d'abord notre crème à cheveux tout autour de notre racine, comme vous pouvez le constater. Par la suite, et on attrape les racines avec le peigne, qu'on tourne et on vient tirer avec notre crochet de serrage. Et pour finir, on va redécolorer nos bouts, rendre encore les bouts de dreadlocks encore plus jaunes et plus jolis à voir. Comme vous pouvez le constater, voici le résultat final de notre resserrage de nos dreadlocks. La clientèle est très satisfaite. Si vous avez aimé notre petite vidéo du jour pour vous montrer comment resserrer vos racines dreadlocks, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos parce que les trucs de dingue arrivent, les gars. Soyez toujours actifs.